Francine Lake est une pionnière. Première femme chirurgien cardiaque en France, elle a fondé une association qui répare le cœur d'enfants malades du monde entier. Aujourd'hui, c'est une opération à cœur ouvert d'un tout autre style qu'elle est venue pratiquer, se raconter en photo, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Francine Lake. Avec quelques-unes des photos justement qui jalonnent votre vie, votre jeunesse plutôt. Hein. Ici, on est plutôt dans la partie l'enfance de l'art. L'enfance de l'art. Oh, très bien. Si vous préférez. Et donc, on va égrener comme ça quelques-unes des photos. Vous allez nous les raconter tout au long de l'émission. On fait comme ça ? Avec Alors, on va plaisir. Commencer. On va commencer avec celle-ci, si vous le voulez bien. Ah, ben ça, c'est Calacouch. C'est La quoi, terre des ancêtres. C'est quoi Calacouch ? Ben, c'est un village en Haute-Corse où est né mon grand-père, Jean-André Leca. Il y avait deux frères qui sont morts très jeunes à la guerre de 14 et que je n'ai pas connus. Donc, on n'a plus d'attache, en fait, dans ce village. Oui, parce que... Mais chaque fois que j'y vais, ça me fait quand même quelque chose. Parce que votre ancienne maison, elle était transformée en gendarmerie. Oui, hein, et puis là, après, elle n'est pas là. Oui, non, je ne la vois pas. Non. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que je la reconnaîtrais. Je ne la vois pas, mais effectivement, elle avait été transformée en gendarmerie. Et puis maintenant, je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Il faudrait que j'aille faire un petit tour. Votre grand-père était militaire. Il a été en garnison à Limoges. Et c'est à Limoges que naît votre papa. Absolument. Hein? Absolument. Et si vous le voulez, justement, on va aller du côté de votre père et votre mère. Photo magnifique, vraiment magnifique. Ah oui, ils sont très jeunes là, mais je l'ai trouvé si jolie que j'ai choisi celle-là, bien sûr. C'est au moment où ils se sont connus, maman. Alors papa, donc, vous l'avez dit, était fils de militaire. Et maman était une jeune fille d'origine, par ses parents, d'origine flamande. Ils ont 21 ans toutes les deux quand ils se oui, marient. Oh oui, ils doivent avoir 20 ans à peu près. Et oui. Alors, ce qui est intéressant avec vos parents, c'est cette photo. Alors, on ne l'a pas agrandie, je l'ai mise là comme ça. Ah, je l'aime beaucoup celle-là, je l'aime beaucoup. Vraie complicité avec votre papa. Ouais, vous ouais. êtes la fille de votre papa. Qu'est-ce qu'il a, votre papa ? Racontez-moi votre père. Ah bah, c'est un homme, pour moi, c'est un homme vraiment extraordinaire. Extraordinaire par sa personnalité, son charisme, sa gentillesse, son autorité. J'aime bien l'autorité. Ça a toujours été quelqu'un d'autoritaire, qu'il fallait que sa fille ait ses droits, mais c'était bien. Et puis, il aimait la vie, en fait. Il aimait la vie sous toutes ses formes. Et il était, comme on le disait hier, c'était un homme responsable. Il était gai, il jouissait des choses de la vie, mais en même temps, il était très responsable pour sa famille, pour ses enfants, pour son travail, pour tout. Pour moi, c'est l'idéal, voilà. L'idéal. Votre maman. Ah, maman. Votre maman. Alors une là. Délicieuse on... maman, une vraie. Comme on rêve tous d'avoir une maman qui s'occupe de ses enfants, qui les suit, qui les aime. Et qui est morte peu après ses 100 ans. Et surtout, peu après ses 100 ans. Qui aura toujours vécu à côté de vous. Oui, oui. Vous n'avez jamais quitté votre maman. Non. Hein, vous avez habité dans un endroit, elle avait une maison à côté. Absolument. Elle vous a accompagné tout au long de Absolument. Votre vie. Absolument. Et je crois que c'est assez rare, effectivement. Je n'ai jamais quitté ma maman, ni mon papa d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il décède il y a une vingtaine d'années. Mais ce qui est intéressant dans votre vie, Francine, c'est que j'ai appris, en me documentant un petit peu sur vous, c'est que vous partagez tout avec cette maman. Et pourtant, un jour, vous avez été malade, très malade, vous avez eu un cancer. Vous n'en avez jamais parlé à votre maman. Ben, je ne voulais, voulais pas lui donner de tracas, de soucis, d'angoisse. Elle ne l'a jamais su. Elle est morte sans avoir su que vous aviez été très malade un jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre avec précision à cette question. Nous n'en avons jamais parlé. L'a-t-elle su? Probablement, parce que c'est une personne finaude. Mais on parlait... C'est très étonnant de se dire à quel point dans cette famille on était et on est proche et à quel point on se parle relativement peu. C'est très amusant, c'est très particulier. C'est vous, là. Quel âge vous avez? 15, 16 ans? À votre avis, oui. J'en sais rien. J'en sais rien. Oui, ça doit être dans les 14 ans, j'imagine. 14, 15 ans, vous pensez à quoi, là? Vous regardez vers où, là? Oh, je pense à m'amuser à cet âge-là. Hein. Attention. Qu'à vous amuser, même. J'ai... Ah non, pas que, mais j'étais, oui. J'étais chahuteuse. J'étais chahuteuse. Un peu chahuteuse, oui. Parce que j'ai appris que vous avez été renvoyée de deux collèges différents. Oh, c'est très élégant, ça, Luc. Bravo de dire ça. C'est vrai, c'est Non, pas mais vrai. C'est insupportable. Et surtout, non, ce qui est intéressant, c'est que votre papa, dont vous étiez si proche, il vous appelait Bar, bon à rien. Bon à rien, oui, bon à rien. Et ça m'a vexé beaucoup. Du coup, j'ai travaillé un petit peu, quoi.
C'est vrai, c'est ce qui a été le déclic un petit peu. Je ne sais pas, mais c'est la preuve, on en parle, c'est une chose dont on se souvient, effectivement. J'étais pas sage à l'école, et il a sévi, et il a eu raison. Et du coup, vous êtes mis au travail. Et voilà. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et on va faire un petit bond dans le temps, si vous le voulez bien. Bien, c'est ici que ça se passe. Mettez-vous là, comme ça. ça, c'est une salle d'opération de chirurgie cardiaque. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas un enfant qu'on opère. Moi, je suis spécialisée dans la chirurgie des enfants. Mais elle est intéressante quand même parce qu'elle montre cette fameuse machine qui est le cœur-poumon artificiel, qui est la circulation extracorporelle, qui a été créée aux alentours des années 45. Vous voyez que ce n'est pas si vieux que ça. Et qui a permis de remplacer cette machine, remplace pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, remplace le cœur. On peut donc arrêter le cœur, le réparer, c'est ce qui se passe en ce moment. Une fois que la réparation est faite, on referme tout soigneusement, on chasse l'air qui a pu s'introduire, et doucement, on remet le cœur en route. Et ce qui est miraculeux, c'est que le cœur se remet en route tout seul. Lorsqu'il reçoit du sang à bonne température, avec suffisamment d'oxygène, il a sa propre fonction contractile, il se remet en route. Le cœur se remet en route et la machine peut s'arrêter. Mais là, c'est le chirurgien d'aujourd'hui qui parle. Moi, ce que j'aimerais, et bien sûr... À l'époque, c'était ça. Mais quand vous rentrez dans cette salle, la première fois que vous rentrez dans cette salle, ouais. Vous avez un peu plus de 20 ans, Francine. C'est en première année d'internat, oui. Vous tombez littéralement amoureux du bloc opératoire. J'ai lu quelque part dans une de vos biographies, c'est olfactif, vous aimez l'odeur. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle d'opération ? J'aime l'odeur. Disons que quand j'ai vu, j'étais discrète dans mon petit coin, je regardais, j'étais en première année d'internat, et j'ai vu ce cœur s'arrêter et puis repartir. J'ai dit, mais c'est incroyable comme affaire. C'est ça que je veux faire. Et vous avez fait ça toute votre vie. On va la voir plus tard, la vie. Pour l'instant, on va aller vers la photo là-bas, si vous le voulez bien. Parce que là, vous dites le cœur, ça vous a plu. Mais à la base, vous voulez faire la chirurgie de la main, Francine ? Oui, a priori, je voulais faire de la chirurgie de la main. Je voulais faire une chirurgie de réparation. Puis la main, c'est un bel organe. Hein ? Complètement, c'est le prolongement du cerveau. Très bien. Sauf que lui, il a une vraie importance. Oui, il a une vraie importance. Jean Mathès, ça a été mon... Mais en première année d'internat, je suis allée comme interne dans son service. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, j'ai été séduite d'une part par la chirurgie cardiaque en soi. Et j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé cet homme et son service. Il avait un charisme incroyable. Il était... C'était un homme vraiment, vraiment formidable et ça a été un des promoteurs de la chirurgie cardiaque en France. Mais justement, votre papa là, il est fier de vous à cette période-là, ça y est, vous n'êtes plus bonne à rien. Je suis bonne à un peu moins que... On va voir quand vous êtes bonne justement, on a bien compris, là il y a les bases. Et on va revenir sur votre carrière si vous le voulez bien, c'est dans la pièce d'à côté. On y va Francine ? On y va. Allez, c'est par là que ça se passe. C'est la mise au point sur votre vie, sur votre carrière professionnelle. Donc là, c'est très simple, c'est encore plus simple que tout à l'heure. Francine, vous vous asseyez, vous vous laissez guider. Et là, pour le coup, on se tait même et on écoute. Pensez que certains professeurs d'une certaine école, une vieille école, n'aiment pas beaucoup avoir dans leur service des femmes. Est-ce que vous avez vu de ces professeurs qui préféraient avoir des hommes avec eux que des femmes ? Ça existe, je sais que ça existe. Personnellement, j'ai eu la chance de n'en jamais rencontrer. Ou du moins, si je les ai rencontrés, j'ai eu la faiblesse de ne pas m'en apercevoir. Mais où avez-vous trouvé ça ? C'est la préhistoire. On voit les voitures, d'ailleurs. Hein. 1973. Ouais. 1973. Les voitures, la chevelure. Ah oui. Vous êtes fort quand même. Hein. Vous passez déjà à la télé en 1973 parce que vous êtes la première femme chirurgien cardiaque de France, quand même, Francine. Et on vous pose la même question. Je vous ai posé la question quand j'ai préparé l'émission, mais je ne vais pas... Bon. Est-ce que ça a été plus difficile pour une femme d'être chirurgien ? Et vous répondez non déjà à l'époque. Vous n'avez pas changé d'avis ? Je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours répondu non. J'ai toujours dit c'est difficile pour tout le monde, homme ou femme. Vous savez, un chirurgien, c'est un chirurgien. Quand vous faites opérer, vous ne demandez pas le sexe de la personne qui va vous opérer. Ce que vous voulez, c'est mettre votre confiance, déjà, dans quelqu'un pour lequel vous savez que... On vous a dit que c'était quelqu'un qui savait faire, qui savait travailler. C'est ça qui est important pour vous. Un médecin, ce n'est pas un homme ou une femme, c'est quelqu'un
qui va vous soigner, qui va essayer de vous guérir, qui va avoir de l'empathie avec vous. Je crois beaucoup à la relation médecin-malade, je crois que c'est quelque chose de capital. L'important, quand j'avais des familles qui venaient me voir, c'est de sentir qu'elles mettaient, et elles mettaient très vite leur confiance en moi, comme elles l'auraient fait avec un garçon. Justement, on vous voit en pleine action, là, dans l'hôpital public, bien sûr, vous travaillez avec Jean Mattei. Oui. Et si ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, vous opérez des enfants français, et puis un jour, vous recevez une lettre de Téhéran. Francine, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre de Téhéran? C'est un papa. C'est un papa qui écrit dans un français parfait, « Aidez-nous, sauvez mon enfant, il a une grave malformation, il ne peut pas être opéré, on n'a pas les moyens, etc. etc. » Et ne pouvant le faire admettre à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas admettre le monde entier gracieusement, je répète toujours que la chirurgie cardiaque coûte malheureusement fort cher, c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, il y a donc 21 ans de ça, 22 ans, avec Patrice Roinette, mon filleul, nous nous sommes dit, on va, créer une association, on va récolter des fonds et on va pouvoir accepter un certain nombre d'enfants qui frappent à notre porte. C'est ça qui est important, pouvoir ouvrir la porte. Aux enfants, et c'est ce qu'on a fait. Du monde entier. Aux enfants du monde entier. Et que ça ne coûte pas un centime aux contribuables français. Ah, bien sûr. Vous avez raison de le souligner. C'est ça. Donc, c'est très important. C'est uniquement l'association vue sur des dons généreux, d'où le terme de mécénat. Les deux premiers qui viennent, ce sont deux petits Moldaves. Hein, on oui. voit pour dire que vous allez dans tous les pays et vous réparez leur cœur et ils repartent. C'est ça le principe, en fait. C'est ça le principe. Tout aussi simplement que ça. Tout simple, tout simple. Ils viennent, ils sont accueillis dans des familles d'accueil, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. On va revenir sur les familles d'accueil, mais ça, c'est des dossiers dans votre bureau. La photo des dossiers. Exactement. Oui, il y en a combien d'enfants qui... On va en avoir bientôt 3000. 3000 qui sont passés par vos services. Ils sont passés. Mais ça, c'est les demandes, c'est des demandes. Vous avez combien de demandes par jour, Francine? Oh, il y a plusieurs dizaines de demandes par jour qui arrivent. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on étoffe mécénat, qu'on grandisse. Il ne faut jamais grandir violemment, il faut grandir progressivement en faisant de la qualité. Moi, je dis toujours la quantité après la qualité, d'abord la qualité. Que les enfants soient parfaitement opérés, parfaitement suivis, parfaitement accueillis. Suivis après, on les suit, on a des nouvelles, on s'occupe de leur scolarité. Vous voyez, je veux un travail complet sur ces enfants. Oui, mais moi, je vais insister là-dessus. Là, j'ai une fiche. Comment vous les choisissez, ces enfants? Vous en avez opéré 3000. Vous auriez pu en opérer 100 fois plus. Ah, si j'ai de l'argent, j'en opère 100 fois plus. Mais alors, quand je dis là, j'en opère, sauf que là, c'est pas moi qui les opère. Chaque jour, Francine, il faut choisir. C'est presque une question de vie ou de mort. Lui, je le prends, lui, je le prends pas. Là, on voit gravité médicale, gravité familiale. Qu'est-ce qui vous fait choisir un enfant plutôt qu'un autre aujourd'hui, encore? C'est le métier. Hein. Je sais que c'est un bon cas, que l'enfant ne va pas bien, que l'opération est assez facilement réalisable et que le résultat prévisible sera bon. Donc, c'est le cas idéal. Gravité médicale, quand même, c'est un falot. Gravité familiale, pour que la famille sache à peu près s'il va recevoir un enfant dans un très mauvais état ou pas, je le fais opérer à Paris et je l'ai mis pressé. Urgent, pressé, sans urgence. Et puis, on ne voit pas tout le dossier, mais évidemment, on a moult renseignements. Parce que même une fois qu'on a fait ça, pressé 3 à 6 mois, des fois, l'enfant meurt avant. Ça arrive. Oui. Et quand vous ne choisissez pas un enfant, il va mourir aussi. Vous avez Oui. Vous dites celui-là, je ne le prends pas, quoi. Oui. Quoi qu'il en soit, quand ils arrivent, ces enfants, il y a une chaîne, alors pas une chaîne de l'espoir qui se fait autour d'eux, mais il y a des gens comme ça, des familles d'accueil. Il y en a 300 aujourd'hui dans votre association. Oui. Parce que vous l'avez dit, vous n'allez pas opérer là-bas. Vous préférez opérer dans des conditions optimum ici en Absolument. France. Absolument, c'est la raison. Hein. C'est la raison. Raison. Conditions voilà. optimales. Sauf que. Quand ils arrivent, il faut qu'il y ait une famille qui s'occupe d'eux. Ce sont des familles d'accueil, oui. des gens bénévoles. Mm. Dites un mot sur ces familles. Bon, ben, ce sont des gens vraiment formidables. Il y a la générosité, il y a tout. Il y a tout. Parce qu'un enfant, il arrive, combien dure le... Grosse responsabilité. Exactement. Hein. Deux mois environ. Deux mois environ. Un mois et demi, deux mois, parfois un petit peu plus. Ce n'est pas mathématique, bien sûr. C'est en fonction de l'état de l'enfant. Toujours disponible. Comme on fait hospitaliser les enfants le moins longtemps possible, c'est les familles qui vont pour les examens préopératoires, qui vont, qui reviennent, qui... C'est extraordinaire. Avec des enfants quand même parfois gravement atteints. Hein. Il y a des enfants, je peux vous dire, ils sont arrivés à l'aéroport, la famille les a emmenés vite fait à l'hôpital et opérés le lendemain ou le soir même.
Il y a eu des cas terribles. On est enfant jusqu'à quel âge, Anne Essena? C'est une très bonne question. On est théoriquement enfant jusqu'à 15 ans. Mais comment refuser un 16 ans, 17 ans, 18 ans qui appelle au secours? Ah, mais le choix... On pose toujours la question du choix, il est difficile. C'est pour ça que nous avons des possibilités chirurgicales importantes. Nous avons des familles d'accueil. Le blocage, comme toujours, c'est l'argent. L'argent. L'argent, si vous voulez bien, on va en parler dans une autre pièce. Ouais. On va faire un petit peu le bilan chiffré. Oui, de mécénat après 20 plaisir. Ans. Ce qui a été fait, on vient de le voir, et ce qui reste à faire, mais c'est dans une autre pièce. Vous me suivez, Francine? Ah, je vous suis, allez. Luc. Allez. Allez, Francine, dans une nouvelle pièce, la dernière, je vous le promets. On regarde ce que c'est que mécénat aujourd'hui, en ouais. chiffres. En avec, chiffres, c'est ça, mécénat. Plaisir. Un enfant, médicalement parlant, c'est 12 000 euros, mais uniquement pour les soins. Mais enfin déjà, c'est le message qu'on donne aujourd'hui, vous nous donnez 12 000 euros, on peut opérer un enfant. Alors vous, c'est les gens qui nous regardent, ils donnent à peu près pour 1 million chaque année, et beaucoup d'entreprises qui vous aident aussi, hein. C'est à hauteur de 3 millions. Ça aussi, c'est un des exploits de votre association. Bien sûr, on est très aidés par des entreprises, on est très aidés, on fait pas mal de ce qu'on appelle aujourd'hui des événements, des manifestations. Vous voyez, par exemple, là, vous avez Tanguy de la Motte qui fait le tour du monde, on est aux 24 heures du Mans. Vous êtes partout. Honnêtement, vous êtes partout, je trouve. C'est incroyable, voilà, là, le Tour de France. On a eu la chance depuis très longtemps d'être admis sur le Tour de France. Ça a été formidable pour nous. Enfin voilà, des ça, tas c'est d'événements. Partout, mais on va revenir, si vous le voulez bien, presque à l'origine. Et c'est là-bas que ça se passe. Venez avec moi, Francine. La Corse est là. On écoute et vous commentez après. ça me fait toujours un petit frisson quand je vois ça. Qu'elle les a libérés de leur prison, leur maladie qui était une prison, c'est suffisamment convaincant pour qu'au moins un soir, nos chansons se joignent à cette belle histoire, à ce beau voyage. La solidarité, c'est chaque jour, mais il y a peut-être des jours qui sont plus beaux que les autres. Ça a été une soirée inoubliable. Et vous dites souvent dans le jargon, un concert, décidément, lapsus, c'est un enfant sauvé. Au bas mot. Là, ce sont les antennes. Oui, absolument. Les antennes, justement. Et on voit qu'il n'y a pas la Corse, Francine. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas partie de mécénat? Mais, tout simplement parce qu'en Corse, vous envoyez les enfants se faire opérer, je pense, à Marseille. Il n'y a pas... Vous savez... Il faut une structure assez importante. Il faut donc un nombre de malades assez important. Or, les malformations congénitales, c'est 8 pour 1000 naissances. 8 pour 1000. Grosso modo, ça fait presque 1% d'enfants qui va naître avec un problème cardiaque. Mais parmi ces problèmes cardiaques, tous ne sont pas à opérer. Donc, vous faites un petit calcul rapide et vous voyez que c'est à la fois pas si rare que ça, mais qu'il faut quand même pas mal d'habitants pour avoir des enfants cardiaques, donc pour avoir une structure. Parce qu'une structure n'est viable que si on opère au moins 300-350 enfants par an, parce qu'il faut beaucoup de personnel. Rendez-vous compte, Luc, dans une salle d'opération, il y a une dizaine de personnes. C'est presque finalement autant qu'on tournait un film. Autour de vous, vous étiez surprise d'ailleurs. Mais alors, si on est Corse et qu'on veut participer à un mécénat, il y a le don. Bien sûr. On ne peut pas être famille d'accueil, c'est le don uniquement. Le don, mais le don, c'est... Attendez, c'est le nerf de la guerre, le don. C'est pas le don, c'est capital. J'ai des milliers de dossiers en attente, vous l'avez vu. On a vu tout à l'heure les dossiers, vous m'avez posé la question. Pourquoi je n'en prends pas plus? Pourquoi nous n'en prenons pas plus? Uniquement parce que les financiers, ceux qui gèrent le porte-monnaie, me disent « Attention, on attend, on peut opérer tant ». Ils me disent, par exemple, je sais que cette année, je vais en opérer 317.
On a déjà fait un prospectif en fonction de l'argent qu'on a pour opérer 217. Oui, je prends mes rêves pour des réalités. Et surtout, vous faites un lapsus révélateur, parce que regardez. 217 enfants, un lapsus révélateur. Oui, parce qu'on va aller là. Oui. On vous voit, justement, en train d'opérer. Vous n'opérez plus, Francine. Non, depuis septembre. Non. Depuis septembre. Donc vous avez arrêté d'opérer. L'année dernière. On peut dire votre âge à 70. Vous avez opéré jusqu'à 77 ans. 78. 78. Aujourd'hui, vous n'opérez plus. Non. Opérer, c'est votre vie. Oui. Et comment vous l'avez vécu, ça? Bien. C'est vrai? Oui. J'en ai été étonnée moi-même. Bien. Parce que, la philosophie de la vie, les choses. Il y a des choses qui passent par la force des choses, mais il y a autre chose qui se présente. La vie, elle est fascinante à 15 ans et à 79 ans. Ça, je veux bien. Mais Francine, vous avez... Et puis, je reste totalement aussi en osmose, je reste dans le milieu. Oui, c'est encore vous qui décidez qui on opère, donc, qui on n'opère pas. Non, je pensais, vous avez raison de me poser cette question, je pensais que ce serait horriblement difficile. Ça ne l'a pas été du tout, à mon grand étonnement. Parce qu'il y a des chiffres, il y a un chiffre moi, qui m'a étonné. 6000 personnes dans votre vie, vous avez opéré plus de 6000 personnes. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre, je n'ai jamais compté, mais forcément, quand on opère l'équivalent de 4 ou 5 malades par semaine, vous faites le calcul, ça doit faire beaucoup. Mais pourquoi compter? Ça ne va pas vous manquer, ça? Ce genre de lettre. Chère Madame Leka, c'est Marie-Odile Dembélé. Je t'écris une lettre pour te dire merci. Je continue, moi, je suis content que tu m'as opéré parce que si toi, tu n'as pas à me opérer, j'aurais très morte. Grâce à toi, tu m'as opéré. Je te dis merci beaucoup. Je ne t'oublierai jamais. Toute ma vie, je t'embrasse très fort. Ouais. Mais ça, je l'ai toujours, ça. Vous l'avez toujours? Ah oui. Ouais. Ces lettres-là, j'en reçois. C'est extraordinaire. Des petits cadeaux, des lettres comme ça, bien sûr. Ça, je n'ai pas coupé avec ça. Parce que je n'ai pas coupé avec Mécénat. Je ne suis plus l'opérateur. Mais je reste totalement immergée dans Mécénat. Alors, regardons ça, si vous le voulez bien. Ça, c'est mon fils. C'est pour finir. Orson. Ça, c'est la vie qui a repris le flambeau. Oui, absolument. Hein, qui travaille à la com de l'émission. Enfin, oui, qui travaille, qui récupère l'argent. Hein. Et j'avais envie de montrer aussi cette photo. Ah. Ça, vous l'avez pioché dans un livre, Luc. Vous êtes terrible. Non, mais c'est que là, on n'arrive pas au bilan d'une vie, loin de là. Olivier, non, Olivier, ça a été une très, très longue histoire. Très belle histoire. Très belle, oui. Vous voyez, je dis belle alors qu'il est mort, cet Olivier que j'aimais tant, que j'ai opéré plusieurs fois. Et encore une fois, un lapsus, je dis belle histoire, parce qu'au final, c'était quand même une belle histoire. Même si ça s'est fini par son décès. C'est une histoire d'amour, une histoire de confiance, une histoire de... Vous voyez, Olivier... Qu'est-ce qu'on retient, Francine? La vie, ce qu'on a sauvé ou ce qu'on n'a pas pu sauver? Comme, heureusement, il y en a beaucoup moins qu'on n'a pas pu sauver que ce qu'on a sauvé, c'est vrai qu'on retient, Olivier. Oui. Ce qu'on a sauvé, c'est bien, c'est normal, la vie continue, mais les échecs, on se souvient toujours. Oh, on va finir par... J'aime bien cette photo, il était intelligent, Ouais. Voilà, c'est comme ça. Quand les gens me demandent, mais alors, il y a des morts? Oui, il y a des morts. Ouais. Mais c'est quand même un miracle, Luc. Moi, quand je suis née, la chirurgie cardiaque n'existait pas. Et les femmes n'avaient pas le droit de vote, je rajoute en général. Que d'évolution dans ce domaine en une vie, quoi, en un petit siècle, que d'évolution. Maintenant, on sauve les enfants, on sauve les gens, c'est une chirurgie miracle. C'est pour ça que j'ai absolument voulu qu'on monte cette association, parce que c'est une chirurgie miracle. D'un enfant malade ou mourant, on va faire un enfant guéri qui va repartir à l'école, au football, dans la vie. Je pourrais avoir un pins? Ah yes! S'il vous plaît.
Je fais partie un petit peu maintenant aussi de... Ah oui, de hein? l'association maintenant. Ah oui, je suis très heureux, Luc. Merci. En l'honneur des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre de mécénat. Je vais le mettre ici parce qu'il n'abîmera pas le très joli veston. Vous le mettez où vous voulez, François. Voilà. Venez vous mettre à côté de moi. On va faire un petit selfie si vous le voulez bien. Allez, juste au moment où j'ai les yeux embués. C'est pas bien. Là, c'est par l'émotion. Bah oui, mais Olivier, alors, c'est toujours l'émotion. Alors, le selfie, on a une tête terrible sur les selfies, je sais pas pourquoi. Ouais, mais pas avec moi, vous allez voir. Bah avec moi. Allez, on est bien là où on est moyen. On va sourire tous les deux. Voilà, parfait. Super. Francine, merci infiniment. Je n'ai pas mieux à dire. Merci, Olivier. Moi, c'est Luc. Je sais. À bientôt. Je sais, Luc.